Et yo tout le monde, c'est Darknet, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons sur la Serie A. Donc les matchs de pré-saison de la Serie A. Et donc peut-être que le nom de l'équipe PM Black White ne vous dit rien. Mais en vrai, il s'agit de la Juventus de Turin qui est avec Tottenham, Marseille et Barcelone. L'équipe que j'affectionne le plus dans le championnat italien. Et ben, je vais tout faire pour que ce soit une belle saison. Donc nous commençons direct. Donc je reconnais Liverpool, Anderlecht. Et le premier, je reconnais pas. Très bien. Massek a augmenté sa compétence à 65. Ok. À River Plate. L'International Champions Cup Américanor s'est lancé. Nous affronterons River Plate, Anderlecht et Liverpool. Il y a un sacré prix financier en jeu. Nanani, nanana, ok. Je tiens à vous remercier. Bon, c'est tout le temps la même rengaine. On va juste aller à plein de jeux. On va voir ce qu'ils ont fait. En vrai, ça me plaît pas trop. Moi j'ai l'habitude de jouer comme ça. Bon, Ronaldo c'est sûr qu'il serait bien ici, mais bon. Mandzukic il est bien. On a qui sinon on a. Ok, donc je peux mettre qui à la place. En vrai je peux mettre. Bah, écoutez, je vais mettre Dybala. Kedira. Matuidi, ok. Milieu défensif Fernandez, Pjanic. Non, Pjanic est bien. En défense Cellini, Alexandro, Bonucci. Je vais peut-être même mettre De Ciglio. Et bah écoutez, l'équipe me semble parfaite. Donc, allons-y pour ce premier match contre River Plate. Premier match de la coupe de pré-saison. Est-ce que je vais faire un bon début comme la Ligue 1 et la Première Ligue? Ça reste un mystère. Allez. Développe aux quatre coins de la planète. L'échauffement est terminé. Les joueurs doivent finir et se préparer. Et le coup d'envoi pourra donc être bientôt donné. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. L'ambiance est à la fête et cette affiche a fait le plein. C'est vrai, Grégoire, on aime ce genre d'atmosphère. Dans un cadre différent en plus. Il faut dire que ces fans n'ont pas souvent l'occasion de voir évoluer leur club préféré. C'est donc à chaque fois la fête. Ouais, j'avoue, il y a ça de ces cartons même. Obstruction. Ah, il n'y a rien du tout. Genre il est venu pour. Genre il est venu pour jouer le ballon lui. Il a failli l'avoir. Matuidi qui choisit le côté gauche. C'est dégagé. Mais je lui dis ça va rentrer. Il centre encore. Ça est fusé là. Il centre pour la tête. Il est pour encore frapper. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Oui, j'avoue, faute. J'ai même vu ce qui s'est passé, mais il y a faute.
Ah oui, genre il a joué le ballon lui aussi, hein, et on met pas de carton. Ben non. Pourquoi mettre des cartons? Voici Matuidi. La passe. On peut y aller. Bon là j'avoue, j'étais un peu méchant, même si bon, j'ai voulu jouer le ballon. Je pense que ça se voit. Ouais, j'ai voulu jouer le ballon, mais j'ai eu son pied à la place. Pas très grave. Pas très grave, pas très grave. C'est un bon mouvement. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, trop long. Trop long, trop long. De réussite sur cette balle en profondeur. Mais il faut dire que ça manquait de précision aussi. C'est joué long, attention. Bonne interception, il y avait danger. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené. Allez, mais ça n'a pas suffi. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Encore Mali qui dégage le ballon. Bien joué, on peut repartir. C'est vrai ce qu'il faut, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour attirer la défense à droite. C'est ça, ils essaient visiblement d'écrire des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Il ne se pose pas de questions. Il faut trop la garder. C'est une remise en jeu. Le ballon s'en touche. Pour trouver la faille dans la défense. Hors jeu. Il est signalé hors jeu. Ben oui. Effectivement, je suis hors jeu. Son coéquipier était hors jeu de quelques petites centimètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ballon il est passé carrément sur la ligne. Il relance côté droit. River Plate qui peut avancer. Allez. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle ne pas avoir de coup de cul. Quelle frustration quand même. Mais sérieusement hein. Juan Quintero. Il glisse le ballon en profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Bonucci qui cherche la profondeur. Oh, Mandzukic pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long, attention. Il l'a récupéré. Je m'attendais à une meilleure passe. C'est pas grave. Juan Quintero, l'ouverture sur le côté. C'est intercepté sur le coup fermé. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Et ben voilà. Il suffisait de demander. But de Dybala. Ce qui fait toute la différence. Et ça fait donc 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Le gardien loin devant. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Ça va sur l'aile. La passe dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il m'a empêché de faire la passe. Bouffon. Jusqu'au bout. Ouf. Le dernier est là. La classe. Quelle classe, c'était un arrêt. C'était une belle attaque. Il y a du mouvement. J'aurais pu passer. C'est abusé. Bon, pas.
1-0. Pour commencer cette compétition, entre guillemets. Une victoire, c'est bien. Bon, pas vraiment une victoire pour l'instant, mais... Parce que bon, il reste 45 minutes, plus ou moins. Et ben voilà. Encore Dybala. En plus, il a mis un but magnifique. Il a repiqué. Et il était même pas en bonne position, mais il a tiré, c'est rentré. C'est beau. C'est très beau. S'il le trouve. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça leur laisse un but de marge. Oh, l'interception. C'est joué long. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ah, je crois que je l'avais. Zut. Et encore une fois, ils sont solides. Ça peut être dangereux. Oui, d'accord. C'était bien tenté. Bien tenté, bien tenté. Mandzukic, quand même. Je peux pas rater des ballons comme ça. D'accord. Une passe en touche. Concept plutôt intéressant. L'interception, bien joué. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants à la passe. Oui, parce qu'une petite passe en fait. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. La passe est pour la frappe. Ça frappe là-bas. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir du cul monstre. Non. Ah putain, j'aurais pu récupérer le ballon, j'aurais pu marquer. Il n'était pas dans ses cages, le goal. Il a pas suivi. Zut. Il écarte sur l'aile. Ce ballon devant le but. Bon Dieu. Ce contre peut très bien aller au bout. Juan Quintero. Pour trouver la faille dans la défense. Bien, la profondeur. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il tire et il trompe le gardien. Pardon. Et oui, il n'y a pas que le... Qu'on m'explique, hein. Parce que il y avait un joueur, ok. J'arrive pas à lui prendre. Genre, il fait la passe. Bon. D'accord. Un peu de coaching, c'est bien. En fait, je sais pas, genre il y a des joueurs, ils n'arrivent pas à prendre le ballon aux autres. Mais arrête, il n'y a pas de iront-ils jusqu'au bout. Il n'y a pas de bout. Genre là, c'est le terminus pour eux. Mais ils ont marqué un but, ils sont contents. Non, c'est bien vrai. Non. Non, mais non, mais non. Pas rater des tirs comme ça.
encore un changement alors que le précédent venait de toucher. Donc des marquages rapprochés sur Dybala. C'est joué long, attention. Il est passé. La passe interceptée. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ouais. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Rato qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. On voit ce qu'il y a. Il n'a pas joué le ballon là. Pardon ? C'est rien du tout ça, c'est abusé. C'est vraiment des abuseurs, des gros abuseurs dans leur vie. Oh Mandzukic. Rato. La passe dans la profondeur. Il joue dans l'espace. Face à la frappe. Faut tirer là. Mais non. Mais non, mais pas de deux. Pas de deux, mais arrêtons. Voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Les revoilà dans le match. River Plate revient au bon. En fait, c'est pas Mandzukic, c'était pas son match en vrai. Trois tirs, trois ratés. C'est n'importe quoi. Pas pour commencer. Le problème c'est que cuit. Parce que si je gagne le prochain match, je vais monter à 4. Ouais, mais si Liverpool il gagne. Ah non, Liverpool il joue contre moi. Ouais, je monte à 4. Il reste à 3. Puis après, admettons, si j'arrive à gagner Anderlecht, je passe à 7 et eux. À 6. Oh, il faut que je gagne face à Liverpool et face à Anderlecht. Le nul pour commencer, c'est vraiment la plus petite démarche que je pouvais avoir. Kane a augmenté sa compétence à 72. Vous vous rappelez quand Kedira a joué à son poste l'autre jour? Ouais, bon, ok. Liverpool. Et on joue à Liverpool. Oh, deux joueurs, 10 balles à grand maître et... Et bourreau de travail pour Barzagli. Alors Barzagli a acquis un nouveau rôle d'équipe, bourreau de travail. Le rôle d'équipe indique la contribution du joueur à l'équipe. Un joueur possède un rôle d'équipe, ok. Dybala est le joueur que tous les autres veulent devenir, un grand maître. Ajoute bonus de popularité, effet d'entraînement boosté. En tant que capitaine, les coéquipiers gagnent en plus de points d'expérience. Cool. Bref, ce fut un match relativement serré. Je pensais pas que ça allait être autant, surtout que c'est River Plate, quoi. C'est pas une équipe, une équipe que je connais pour être forte. Après, peut-être qu'elle l'est. C'est pas vraiment une équipe sur laquelle je me renseigne, River Plate. Mais bon. On a une petite
marge de manœuvre, mais ça veut dire ça implique de gagner les deux prochains matchs pour être champion. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.